Salut à tous, c'est Go, on se retrouve sur Soma pour la suite. Alors on vient d'arriver ici, et je crois que c'est le site Theta auquel on était arrivé. Alors on vient de rentrer par cette grande porte là, et c'est tout, on s'est arrêté là. Il y a des caméras, très bien. Alors là on est en train de chercher un vaisseau qui s'appelle je sais plus comment, pour arriver à aller dans les abysses et trouver l'arc. Et il nous faut un vaisseau qui résisterait à la pression. Putain, j'aurais jamais dû lancer ça par terre, ça m'a fait peur. C'était pas... Si, je me travaille un extincteur, on est d'accord. Bon, ouais. Lui il est pas rouge, ça m'intéresse pas. Ah non, j'ai cru que je pourrais récupérer des données sonores. Ok, y'a que dalle ici. Est-ce que... Oh! Oh! Je suis un génie. Bon, en même temps, y'avait qu'un seul passage, je pense, là. Allez! J'espère qu'on va plus se faire poursuivre par cette espèce de fou, là. Ah merde, j'ai cru naïvement que ça allait s'ouvrir. Bon, attention, quand je vais appuyer là, ça va être un déchaînement d'enfer, je pense. Ou pas. Qu'est-ce que c'est cette balle là? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Ça m'intéresse. Je me rappelle plus comment on la tourne, tant pis. Belle coque que tu as là pour ton ordi. Bon là y'a rien avec quoi je puisse interagir, je pense. La bonne Catherine. Oui! We're here. Ok, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping. Ah voilà, le Dunbat s'appelle. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Oula. Kath. Et dis, je pensais pas que c'était une possibilité. C'est ce qu'on va faire, c'est ça? Ça va finir comme ça? Virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... It's... Heroic? At least it feels worth doing. Here we go. T'es un bon gars. C'est un bon gars qu'on joue. Damn it. I knew it was too good to be true. Quelle surprise. It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Oui, on va trouver un autre robot là qui croit être un humain. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. OK. Find someone who knows the security cipher. J'aime beaucoup épuiser toutes les options de dialogue parce que sont différentes à chaque fois les phrases. Find someone who knows the security cipher. Sofel, OK, va te faire foutre toi. Parce que dehors là, juste avant de rentrer. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait du bruit. Eh bien les gens nous parlaient et disaient des choses différentes à chaque fois, alors on fait comment là? Peut-être arrêter de passer par cette fenêtre cassée. Là-bas je vois une autre porte. Est-ce que ici... Je vois un panneau là. Balai Omnitool, oh merde. Bon bah là j'ai pas l'Omnitool. Ça fait un peu de peine. Oula. Ah, c'est juste les portes qui sont ouvertes. Oh, c'est classe. Je vais voir là-bas avant, c'est pas plus court, ça a l'air infecté vers là. Ah, c'est classe. C'est glauque. Bon, il semblerait que si je descends ici, je peux plus remonter. Bon, je peux sauter, mais je sais pas si j'arriverai à faire le saut pour remonter, donc je préfère aller voir de l'autre côté déjà. Pour rien louper, parce que je suis grandement intéressé par le scénario de ce jeu. Putain, mais... Oh là. Bon, déjà c'est allumé. Mais est-ce que c'est pas allumé juste pour s'éteindre après? Faire peur! Ils veulent me faire peur! Maman! Je suppose que je vais à gauche. En fait, c'est géant ici. Je m'attends à une petite salle là. J'ai pas l'Omnitool, je sais pas si je trouve pas des dialogues, j'ai peur.
Il y a une pièce que je peux ouvrir dans le noir. Oh. Arrêtez, hein. Ah, c'est moi qui fais ce bruit. Bon. Clairement, ici, il y a quelque chose qui va pas. Bon, foutu de stress. Là. Ah, les chiottes. Oh, oui. Oui. Hop. J'ai une certaine classe au moins. Moi j'aime bien. Avoir vu ça, c'est vraiment sympa. Qu'ils aient pris la peine. Je me disais, qu'est-ce que je vais regarder là, un lavabo. J'avais pas vu que le miroir tellement dégueulasse, j'avais pas vu quoi. C'était un miroir. Bon, je vais le faire, mais c'est bien parce que je suis obligé. Voilà. C'est pas un jeu fourbe à ce point-là, à nous mettre des jumpscares dans les chiottes. Where the hell did they all go? Data is out of the picture. Where would you go? Arrêtez de me faire peur, hein. I've seen Lambda already. So maybe Omicron. Ah, d'autres toilettes. Que dalle, bien sûr. Je m'attends pas à voir quoi que ce soit là-dedans non plus. J'ai une lampe torche, ce qui est juste. Merci de m'avoir dit. Oh putain. C'est trop grand. Trop, c'est trop là, les gars. Il va falloir se calmer là, moi. Maybe they all helped out with the Ark. To carry it to town? That seems excessive, but not out of the question. Attends, cette porte me fait peur là. Pourquoi elle était bloquée? Pourquoi c'était bloqué là? Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Oh putain, shit. Ah! Ah, c'est là que. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Putain, mais c'était sanglant d'être transféré là-dedans. En plus, moi, ça me ferait chier. Encore, moi, c'est sympa parce que j'ai un corps qui ressemble un peu à un truc humain, mais. Come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Ah, d'accord. Jesus, how? Maser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the Ark project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not. Ah merde. Ok, bon, clic droit, ça arrête les trucs. Ah merde. What are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Not even close. Bon là ils ont traduit pas vraiment, mais c'est plus vraiment pas quoi. Je veux dire, elle est dévastée. Quand tu lui demandes si ça va, et qu'elle répond pas vraiment, ce serait plutôt je suis dévastée quoi, la réponse. Oh. Réinitialiser le routeur au niveau inférieur. Bon, c'est l'escalier qu'on voyait je suppose. Ah, I see. What? Qu'est-ce qu'il y a? Check the terminal, I just want to make sure. Oui, très bien. D'accord. Oh! Eh ben putain, pour le futur c'est un peu de la merde. Hein. Il y a même pas, il y a quoi? Il y a un I2 là-dedans. Un pauvre dual corps moisi. David Muncher. How did this. What is this? Putain, je peux supprimer les données? Je suis un connard si je fais ça. Oh oh. What is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Oh mon dieu, quoi. Date de décès, 1er juin 2015. Allez. Okay, là, ça nous intéresse parce que c'est sur nous. That was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This is freaky. So many lights. What do we do now?
Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Bah, tu meurs après, dans pas trop longtemps. Hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé, du coup? We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Rassurez-moi, je suis mort juste après quoi. Un mois après, je suis mort. The Même model pas. Was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now, the brain damage, you guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Mais non. T'es là, regarde. T'es dans le futur. Putain, c'est terrible. C'est terrible, mais je suis content d'avoir... Ah, je peux les supprimer, non. Arrêtez. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Si ça se trouve, on va se croiser du coup, quoi. When I started the ARC project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Vu qu'on est un template, il y a des chances qu'on se croise. Hein. Ok, très bien. Je dépanne. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Oh! Hop! Fast. Broken. Ça c'est foutu! Tourne d'accord. Tournicoti, tournicota. Y'a que dalle là. Damaged. Faut que je prenne celui-là, bah non, je sais pas. Non, ils sont pétés aussi. Ouais, y'en a aucun non, qui va être bon. Peut-être celui-là parce que je peux pas le faire, je peux pas le regarder comme ça. Et merde. Oh shit! Oui! An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Oui! Comment? Comment par contre? Ah mais là. Ça va pas marcher là. Need to fix that mainframe connection. Ouais. Moi juste casser tous ces trucs qui sont super chers en attendant. Bon. C'est bien là, on progresse. J'ai peur de cette porte avec du sang au sol. Bon, il faut que je redescende, mais là il y a un long couloir. Oh putain, mais oh! Cette salle est maudite quoi. Bordel. J'ai pas envie d'aller là. Tellement pas. Bon. Allez, je me fais le stress pour rien là. Guy Conrad, j'arrive Guy. Gueux. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. Et des photos. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon?
What? No, Simon, don't worry. Ouais, ouais, je not te crois like pas, we Catherine. Just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people is... Ah, ça, je peux regarder des trucs sans... But you kept them sentient for the sans couper le dialogue. Yes, and I basically had to invent the method. Belle cylindrée, toujours appréciable. Supporter des Bix. Catherine, ouais, je la sens moyennement, moi. La 4x4. Putain, c'était un alcoolo, lui. Peut-être le truc que ce soit la fin du monde, ça a peut-être rendu alcoolo, remarque. Bon, sa famille, je suppose. Whatever. Oh. Ça, on voit que c'est une vraie photo qu'ils ont retouchée. Oui. Se fermer. Catherine. Oh, Catherine. Alors là, Catherine, je vais tout découvrir sur toi. Déjà. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Pas peur que je fouille, que je trouve quelque chose, Catherine. Hein, Catherine? What's the little projector? Looks homemade. That's my attempt at building of a vario. It's kind of a proto arc. Ça? Voilà. Oui, laisse-moi fouiller dans ta vie. Journal. Ok. Oh, ça y est, je vais pouvoir sauver l'humanité. Ok. Oui, il est trop réel. J'entends des bruits bizarres. Dans mon dos. Oh là, la poupée là. C'est quand même bizarre ça, Catherine, non? Tu trouves ça normal, Catherine? Bon, alors. Encore une poupée. T'avais une certaine obsession avec les poupées, Catherine. Je me doute bien que sous ton oreiller, il n'y a rien. Moi, très bien, moi qui voulais incriminer Catherine, j'ai pas eu grand chose. Elle doit être contente. Oh putain, mais elle a plein de jouets et tout quoi. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Il y a des gens qui ont dû avoir peur avec ça en plus. Hein. Tu fais tomber, ça fait un bruit comme ça là. Le bon Marc Saran. Salut Marc! Ça va? T'as plein de photos, Marc. J'arrive pas trop à voir ce que c'est, Marc. Ah, ça, je vois ce que c'est. Il a mis une équation à côté. Essayer de comprendre le wow. Ouais, c'est ça. Il enquêtait sur le wow. Putain, par contre, tes photos, on y voit que dalle hein, dessus. On pourrait croire que dans le futur, ils ont développé. Enfin, ils ont compris l'utilisation du bruit sur les appareils photo, mais. Oh! Classified! Ah, mais c'est lui qui a mis tout, qui a mis le WoW dans la station et après ça a dû. C'est bizarre ça. Le WoW en fait, ceux qui l'ont mis exprès? Enfin, ils pensaient vraiment qu'il allait être comme ça? Non, je pense pas. Ils sont sur moi. Que signifie être humain, votre corps, environnement? Non, je pense pas que le WoW il voulait que ce soit comme ça quoi. Oh! Confidentiel. Ah mais encore cette balle. Casse-toi. Boule anti-stress. Putain, casse-toi le siège. Tu vas arrêter ça parce qu'il parle. Jeez, Simon. Some thoughts are better left alone. Mais je vais faire bouger l'oiseau. Vous verrez si je serai à bord de l'arc, comme je l'ai expliqué pour y parvenir, il vous suffit de vous suicider. Une victoire. Tu prends pour qui, Marc? Alors dis-moi ta pensée, Marc. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? C'est pas grand-chose. They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to that.
process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that. On a plus rien dans sa chambre, lui. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. C'est beau ce que tu dis. Enfin bon, t'es pas obligé de mourir, quoi. Ça justifie pas le fait de mourir, mon petit. C'est juste que j'avais éteint ma lampe torche, en fait. Il a jamais fait... Ça a jamais été éclairé. Ah, voilà. Je me disais bien aussi qu'il devait avoir une touche. Enfin, un bout de tonio. Même un jour, de toute façon, je suis parti en ma foi, en s'arrant et dans la continuité. Je comprends pas votre justification pour mourir, les gars, par contre. Tu vois, ta petite fleur, là. Tu connais qu'on servait combien de temps avant mon passage. Un chat. Un dessin de son fils. Un autre dessin de son... Ce serait drôle qu'il dessine comme ça, hein. Ça vous ferait rire. Oh! Très bien. Oh putain. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Ce mec était fou, il s'est suicidé ici là. Avec... Oh putain, avec un rasoir. Faut se calmer, hein. Suicider avec un rasoir, t'as pas trouvé pire là? Bon, je peux pas vous dire ce que ça fait de suicider avec la cyanure, mais je sais pas, ça doit être plus agréable déjà, non? Ça doit être plus court. Bon, il suicide comme dans les années 50 avec un rasoir qui devrait même plus exister à son époque. Très bien. Oui. D'accord. Je vois combien. Martin Fisher, yes. J'ai pas envie de couper le courant là. J'espère que ça ouvre des portes que je n'ai pas envie de voir ouvertes. Ah putain, non, j'ai pas envie de faire ça. T'es que Lars. Je vais le faire parce que bon, je suis comme ça, mais c'est le don de moi-même avant tout. Tu prends de plus en plus de plaisir, ce qui m'inquiète. Ah. What the hell are you doing? Ça a rien fait là. It looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's I mean that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. J'aurais peut-être pas dû faire ça, m'indique Catherine subtilement. En me traitant de connard. Regardez tout ce wow. Wow! Je peux sortir de cette pièce démoniaque là qui saute toutes les deux secondes. Oui. Je vois pas mes jambes, je suis triste. Je comprends qu'il pouvait pas montrer les jambes tout de suite, il fallait laisser le doute au joueur. Alors ici par contre j'ai vraiment pas envie d'y aller là. Remarque, je dis ça à chaque endroit parce que je m'attends toujours à me faire annihiler. Salut Catherine. Oh là. Oh putain. Ça sauvegarde.
Ok. Très bien. Très bien. Ça je préfère, ça m'évite de... d'aller à plusieurs endroits. Ah merde. Bon, allez c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Hop. Ah merde. Bonjour. Ah salut ! Ça va ? Ah putain c'est horrible. Environnement fonctionnel. Putain ils ont traduit ça. Gestion des déchets défaillante. Humidité 62% quand même. Hein. Ah je peux pas. Oh putain mais non mais aide là quoi, tue là, je sais pas. Non. Je peux même pas lui parler, je peux pas la tuer. Elle doit avoir les jambes broyées en plus. Je suis un horrible connard en fait. Un infectieux connard. Bon là je sais qu'il va y avoir un ennemi, je le sens. Bon il est là-bas. J'aimerais le voir pour savoir vers où il va. Il va vers là. Très bien. Donc je vais vers là du coup. J'ai réussi à passer. Merde, c'est un cul-de-sac. Merde. Merde, il revient en plus là. Oh putain, il est juste là. Casse-toi. Personne t'aime. Oh putain. Viens pas là, je t'en supplie, viens pas dans mon trou. Du bruit. Merde, il vient là? Putain, s'il vient, je suis mort. Hein. Il vient? J'ai crevé. C'est fini pour moi. No! God, please, no! C'est bon, je regarde le sol, il peut pas me voir. S'il me voit pas, c'est le plus grand bullshit de tous les temps. Je me rappelle d'une certaine technique que j'avais utilisée dans l'amnésie. Non mais là, il est juste à côté, je vois son ombre. Dans l'amnésia, qui consiste à prendre un tableau et le mettre devant les yeux de l'ennemi. Et comme ça, il ne me voyait pas, ça avait fonctionné parfaitement. Et là, c'est encore une autre technique magnifique que j'ai trouvée. Non mais c'est sûrement fait exprès à ce niveau-là. Je crois que je t'ai vu passer. Putain, il va à droite là, il fait chier. Casse-toi quoi. Personne ne t'aime. Attention au truc au sol, j'ai pas envie de faire du bruit encore. Ça là, le petit outil là. Merde, j'ai marché sur un truc. Oh putain, il y a un cadavre. Il vient là ? Putain mais il a entendu. C'est incroyable. Oh shit il est là. Bon. Oh j'ai fait du bruit. Allez on se casse. Putain il entend vraiment tout hein. Truc de taré. C'est bon. Ici les routeurs, comment mainframe. Shit. Attendez, je vais faire autre chose avant.
Ok. Il a entendu, il est pas dupe. Mais c'est bon, je me suis caché ailleurs. En même temps, j'ai fait du bruit incroyable. Au niveau de bruit que j'ai fait. Non, mais ça fait plaisir d'avoir des ennemis qui réagissent vraiment comme il faut, quoi. Un bruit, je veux dire, t'entends un bruit, quoi. Y'a pas de... Oh non, en fait, j'ai rien entendu, lol. Ça, viens pas là. Casse-toi, quoi. Putain, 25 secondes, d'accord, mais allez vous faire voir. Je sais pas comment on fait. Oui, bah oh, ça va. Les moqueries là. On a soupé. Oh shit, j'ai réussi. Incroyable, incroyable. Du coup, je me casse, non? Je me casse. Et c'est ainsi que je me casse. J'entends hurler là-bas. Bon, je vais remonter, non? Oui! Hop! Oh, abuse pas quoi. T'as juste à monter la jambe pour passer là. Ça l'a un peu énervé lui en bas. Pourquoi j'entends un là? Tu m'étonnes. La porte est un petit peu ouverte. Ça m'effraie, je vais aller voir ce que c'est du coup. Qu'est-ce que c'est là derrière, dis donc? Eh? Oh putain. Ça recrache du sang à l'infini, c'est quoi ce bordel? Je vais pas avoir à faire ça moi. Je me casse. Quand je vais finir, la porte va être ouverte et je vais souffrir, je pense. Putain, j'ai cru qu'il y avait un truc là à gauche. Oh, que c'est quelqu'un adossé contre le mur. Il y avait du sang tout à l'heure là. Je suppose. Salut. 34% disponible. D'accord. Réservoir flottant. Salle de scan. Appliqué à l'arc. Ne pas utiliser. Très bien. Très très bien. Moi je vais aller là où il y avait la puce. Attends, je regarde juste des messages de tout le monde avant. Je viens de scanner arc. Oh putain, elle a pas arrêté hein. Suicide, ouais. Suicide. Oh, ma pauvre. Un mort en plus et le projet s'arrête. Ouais, y'en a qui suicident, des salauds quoi. Bon, tout ça, ils ont jamais été scannés. Ah bah, Strohheimer, c'est le chef. J'ai l'impression. Casse-toi, toi. Emplacement 2 puces. Ok. Oh! On entend des bruits partout. On travaille actuellement pour Strohheimer. Lui pourrait savoir, lui. Bon, moi je dirais. J'ai lui. Aucune idée. Aucune idée réellement. Hein. Very promising. I'll just load him up and get the simulator. Oui. There we are. Oh. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Oh shit. Salut, Wan. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? To
Take it easy, Mr. Wong. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wong. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Calme-toi. Merde. Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Mais il faut les environnements, non? Je vais aller chercher là-bas. Putain, mais il saoule! Ah, où est-ce que je mets cette puce? Ah! Putain. Qu'est-ce que c'est, une cassette là? Bon, je sais pas, mais ça doit se mettre là-bas en tout cas. Ça doit être. Ah, voilà. Ah, yes! Ok. Parfait. Ok. J'aurais pu s'y acheter de ski à la plage. Laissez-moi prendre ça. Ok, va te faire foutre. Laissez-moi prendre ça. Là, je vais déjà et ça, il faut pas. Bon, voilà, on va essayer avec un de ces trois-là d'environnement. Oui. J'aurais vraiment pu passer à côté pendant longtemps, ce truc-là. Cette espèce de boîte à déjeuner. Chaille de ski, plage. Plage, je vais le mettre en confiance. J'ai pas de module par contre. So bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Mr. Wong, I need your help. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Thaden needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! Eh merde. It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Salle de scan, je pense. Comme ça, au moins, il croit qu'il a pas bougé. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? Where did he... Alice? Congratulations, Mr. Wong. The scan was successful. Chun? Where's Alice? She left. Mr. Wong, I need you to give me the new security cipher. What? Why? Why would you need that? Se trappe. This is the trick. No, it's okay, I promise. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right, we need to think this through. We need some more data. Il faut aller à la salle de scan et... Je sais pas, je suppose que je dois trouver encore des trucs. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Ouh. Ah, c'est là. C'est que ça. Non, j'ai cru que je pouvais écouter quelque chose. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Yes, you can. Alors. Donne-moi ta poubelle, je dirai qui tu es. Ok, que dalle. Alors, qu'est-ce que c'est, un beau château en Chine? Ou en Asie en tout cas. Non, c'est juste derrière en fait, c'est écrit en... dans une langue asiatique, donc je dis ça, mais c'est vrai que ça ressemblait pas trop à un château là-bas. Bon, je me sens complètement chamboulé par le scan, tout le monde est si courageux, rien que des sourires, pas le moindre regret. Tu te souviens de m'avoir proposé de me tenir la main pendant le scanner? Si son offre tient toujours, je l'accepte volontiers. Si nous le faisons ensemble, nous partagerons aussi les mots de tête. Ils disent qu'il faut quelques jours pour s'en remettre, bisous Alice. Mais si ça se trouve, ça... Une lettre de quelqu'un nommé Alice. Ils étaient ensemble pendant le scan. You know her? Il faisait des origami. Coster, I would not have expected that. Can we use that somehow? Keep looking. C'est l'assassin de Virine. En tout cas, ça c'est. Je vous le dis, no spoil, mais quand même. Ta petite carte, Brandon One. Merci. Très bien, Brandon. Cute. Ah, c'est elle, Alice.
Bon, je vais regarder son PC, hein, vous inquiétez pas, je vais juste trouver. Ah, il étend son linge là, très bien. Oula! Fairchild Award. Ok, je voulais pas faire ça. Carte de chez lui. Très bien, on dirait Venise, non? Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, Brandon? I'm waiting for Strasky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. I found more evidence suggesting they were together during the scan. That's okay, Sherlock. We got it already. We should focus on simulating Brandon Wan. Il aime pas trop Chun. Très bien. Non, c'est juste une petite icône. Je vais pas me faire violer. Oui. Non, il y avait déjà ça au milieu. J'ai dû le pousser sans face, ouais. Vite, 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 cette pièce de merde, je veux pas en entendre parler, voilà. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un espèce de bruit de perceuse, c'est juste le personnage qui respirait. J'ai pas envie... Je sais pas ce qu'il y a derrière ces deux portes, mais... En fait, je vais laisser ouvert parce que je dois courir. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. On y va, Brandon. BG que tu es. On va te percer à jour, Alice. Hop. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Strohmeyer. He said he needed a new site for ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I can feel over. Non, ça je le note pas par contre, c'est bon. It's 17:29 over 42. 12:04:07. C'est bon, j'ai noté au cas où. Ça sert à rien, je pense. On est assisté maintenant dans les jeux, c'est la fête. Ça, je peux vous dire que les point and click avant, c'était pas comme ça. Ah. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Oh, je peux effacer. Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Bah. Bah, je vais pas le supprimer non plus, non, il avait fait son scan pour, je sais pas, vivre à jamais. Voilà, j'ai juste arrêté. Bon, alors là. Attention. Oui, je revenais juste faire un dernier tour. Simon, we got it. We can get to the dungeon now. Get back here. J'ai peur. J'ai peur de ces couloirs. Ce jeu... Même si, quand on y repense, on se dit que c'est pas trop un jeu d'horreur... quand même une ambiance atroce, quoi. J'aime pas du tout ces portes-là qui s'ouvrent. Ou alors j'avais pas fait gaffe, c'est déjà comme ça, mais non. Je pense pas, non. There you are. Just warming up the dunbat for us. It's been collecting dust for a while, so it might need a minute.
Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Qu'est-ce qu'il y a? Never mind. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in and I'll take us into the abyss. Sounds easy enough. Qu'est-ce qu'il y a dans le Dunbat? Qu'est-ce que tu me dis pas, Catherine? Putain. Catherine, je lui fais pas confiance. Y'a ça aussi que j'ai pas vu du coup. État du site, ouais. Même sur Yuo, air propre. Carte. Ah, d'accord, très bien. J'avais ça en fait. Oula, mais y'a plein d'endroits où j'ai pas pu aller là. Personnel. Oh putain, y'avait du monde ici. Invité. Ah, y'avait One Brandon, c'est un invité. Sacré Brandon. Attendez, je retrouve les touches. C'est bon, c'est pas ouvert. On va pas ramper partout non plus, si. Allez, je bug vos scripts. Ah merde, je peux pas. Parfait, parfait, on s'en va, on s'en va. Oh merde. Bon, je peux rien faire, hein, je vous rassure. Pourtant, il va falloir que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a un petit conduit d'aération. Oh non, je lui fais des dégâts en tombant de ça. Putain, mais il est fragile pour un robot. Bon, moi, justement, ça explique peut-être sa fragilité et un manque de souplesse dans les... Dans les jambes. Ok, je me disais bien aussi. Il y a un petit truc qui clignote. Oui. Prêt. Oui, merci. De fermer cette porte. Oh mon dieu. J'entends un bruit de... J'entends un V8. J'avais même pas vu qu'il était au-dessus en fait, tout ça. Hop! Système ok. J'espère que je suis pas en train de débloquer mon plus grand ennemi. Il m'a l'air infecté au wow. Très bien. Ok. Il était infecté. Si vous voulez une réponse immédiate à la question. Bon. Soit. Ah. Très bien. On va devoir y aller à pied, donc comme prévu. Est-ce que ça passe là? Ça passe? Oui. Bon, on est de retour dans ces conduits horribles. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Fragile. Oh. Oula. Un petit chargement. J'ai cru que le jeu avait freeze. Plan B, bah oui, bah merci, ça fait 12 fois qu'on fait un plan B. Merci ça dans tous les jeux d'horreur, à chaque fois on veut faire quelque chose facilement. Oh non, t'inquiète. C'est bon. Bon, je continue à aller vers les bruits, hein, je m'en fous. Ah voilà. Ouais, ils m'auraient pas laissé aller aussi loin pour que je dois revenir en arrière et aller dans l'autre sens. Ça aurait été bien trop chiant pour le joueur. Mais bon, moi j'avais noté le code, vous savez. Ils m'ont dit non, pas besoin du code, très bien. On me traite comme un enfant dans ce jeu. Salut!
Moi, du coup, je dis pas non à la vie. Je vais être de plus en plus infecté à cette connerie, moi. Mettons Catherine, c'est le premier pas vers la réussite. Oui. Al was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's got to be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber in Omicron. Oh. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Quoi, supposément, c'est une, okay, so c'est une légende. We go to Omicron and take the elevator. Yeah. Okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Hmm. Donc ça me fait un peu chier d'y arriver. Ouais voilà, et pas arriver à accéder. That's Phi, all right. Quick stop at Omicron, then Tau, then Phi. Let's do it. OK. Mais c'est bon, ça j'en ai pas besoin, j'aurais pas besoin de me rappeler de ça, ça se fait automatiquement. Je vais regarder ça un peu. Document. Catherine. Oula. Bon, très bien. Casse-toi les sièges là. Oh, attendez, je peux faire un speedrun avec ça. Oh, 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 oh. Ah non. J'ai cru naïvement. Bah, très bien. Les sièges là. Prêt. Parfait. Bien sûr. Allez. Analyse-moi, Catherine, analyse-moi. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Allez, juste là. Oh. Maman, qu'est-ce qu'il me faut? Should non. I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Bon, ça va alors. Imogen. Who's that? It looks like the basis for your body. Ah, ben, Reed, on a déjà entendu parler de ça. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the OcuTorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, 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 hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. Corsin invité quand même. Je suis dans ta collègue morte, ouais. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed.
Les tools. On va y aller, Catherine. Start an arc simulation. I want to see how it works. On va te faire foutre alors, Catherine. Il y a une photo là. Alors. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. Cam périphérique connecté. Hop! Putain, des teraoctets là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh. Et majorité qui est corrompue? Ah non, 43%. Écoutez, j'ai supprimé. Chaise, c'est con, remarque. Ah ouais, non, c'est. Peut-être ça définit à la fin ce que je vais voir. Bouée, liquide, malléable, rigide. Mais il y a tout qui est beau là-dedans. Bateau, peut-être, et des garages. Oh, faut tout que je réduise, là, c'est pas possible. Ah! Il semblerait que j'ai presque réussi, alors je peux ajouter quelque chose, c'est ça? Non, que dalle. Juste la végétation, ou ça. Système de chaleur. Déjà ajouté de la chaleur. Ou alors des bancs. Ajouter un chemin de terre, tiens, et voilà, ça ira très bien. Bon, j'ai mis pas mal de temps. Au final, c'était une énigme où il fallait un petit peu arriver à supprimer les effets de cascade quand vous supprimiez un truc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross section of the process. Ok. Un ami. Ok, factice. Lancer la simulation, allocation des ressources 100% bien sûr. Hop. Ok, me parle pas comme ça, Catherine. Faut que je mette pause sur factice, j'imagine. Allez, factice. Ah, voilà. Lancer le diagnostic. Lancer la simulation. Je fais le diagnostic du coup. So precise, so perfect. Eh oui. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Comment ça pète? Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit? Ouais. Yeah, on stop, Catherine. Là, c'est ici qu'il travaille avec. Il a branché là. Now that wouldn't work. This is just a prototype. Ouais, et puis pour l'emmener, ce serait bien chiant. Let's go. Don't forget to take me with you. Ouais, calme-toi. Allez, petit un l'arc en fait. Bon, en même temps, s'il faut l'envoyer dans l'espace, il vaut mieux que ce soit petit. Vu le prix que ça coûte. Allez, on se casse. Oula. Non. Oui, oui, j'ai un cadavre à l'intérieur. Ça vous dérange? Ah non, ça va. Oula. Petit chargement, petite sauvegarde. Ok. Quelqu'un qui voulait pas qu'on passe, clairement. Mais je peux passer par la fenêtre. Ah non. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Stormer. Ah bah non, one. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Mon dieu. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip. Oula, t'es dans la merde. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. You bastard. Tell Alice I love her. Oh putain, Juan. J'ai bien fait de pas l'effacer, lui. C'était un bon gars. Bon, je sais pas en fait si c'était une bonne décision de pas l'effacer, mais bon. Pas trop m'en demander non plus, hein. Je suppose que je vais devoir aller vers le sang. Peut-être éviter de faire du bruit. Trop de contenu à fouiller là. Trop d'histoire. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data.
Voilà. Section naturelle. Ok. Ça va tranquille les gars ? On peut se calmer ? Non ? Pour flipper là. Parce que je sais pas si c'est un bruit d'ambiance ou si c'est ennemi. Ça m'a l'air bloqué là-bas. Ça m'a l'air... J'entends des bruits, bordel. Je dois peut-être pas faire ça maintenant. Ça se trouve j'en aurai besoin après en plus. Je vais pas le faire quand c'est inutile peut-être. Putain, c'est bon, j'ai touché un truc qui roule pendant 12 ans là. Ah putain, il faisait un pendu. Il va arrêter de rouler ce putain de truc. C'est ça? Oh putain, je vais pas s'arrêter de rouler. Ah, salut. Il était en train d'étudier l'effet du wow, c'est ça? Putain, bâtard, il faisait des trucs pas très nets ici quand même. Mais bon, écoutez, c'est la science, je suppose. De jouer Alien, bordel. Meet downstairs, the shuttle. Ouais. Ok, on dirait une espèce de. Je sais pas, peut-être. Fœtus, je sais pas, c'est dégueulasse. Ah tiens, du sang. Ah bah c'est parti de là. Je peux pas me laver les mains, ça marche pas. Putain, du sang partout maintenant, c'est parti quoi. C'est l'infirmerie, alors allez, y'a du sang. Oh shit. Ah, on va écouter ça. Terry Akers, chief factor at Delta, first assessment. Oui, certes. Brought in today, January 16, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious, in water. Akers has clearly been consuming large amounts of structure gel for weeks, probably. It's difficult to tell how this has affected his health beyond the obvious number of things. And if it somehow caused him to gouge out his eyes. Small amounts of gel have always been considered perfectly safe to handle, but I can't recall ever hearing about any recommendations on how to treat overexposure. Considering its properties, I doubt it's poisonous. But the more transformative aspects of the ferrochlore, ah oui? You think that malign cell mutations. Il est juste derrière. Salut. Bah oui, il fallait pas consommer tout ce gel hein. Ça me fait peur là. 66 ans. Ça, j'ai cru qu'elle allait me choper. Ça, c'est le genre de truc qui aurait été dans un jeu de chip.
bande de salauds. Oh, ça se pète, ça. Il y a un cadavre en plus. Enfin, un truc sur un mec sûrement vivant. Stockage. Ils sont tous à moitié morts, là. Oula, t'as la tête dans le gel, tu feras gaffe. Non, mais fallait pas trop en prendre comme ça aussi, du gel structurel. C'est bon, mais... Je sais que c'est bon, hein. Moi le premier, je lésinais pas sur la quantité quand j'étais jeune, mais... Par contre, ça va vraiment énerver l'autre. Il peut tellement me voir de mille façons différentes où je suis. À gauche, là. Bon, s'y rentre aussi, mais il va pas faire ça, non? Si rentre, merde, je regarde le sol et je prie. Allez, casse-toi là. T'es ridicule. Non. Non, non. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Chut. Bon, somme toute, ça va. J'ai réussi à ramper jusque là. C'est vraiment agréable de pas mourir en un coup quand même. C'est encore un ennemi différent, hein, j'ai l'impression. Putain, mais non, mais sérieux quoi. Mais non, mais il fait chier aussi à venir là. Attention, attention. S'il me voit, je vais préparer ma grande échappée. Il me verra pas, il me verra pas. S'il me voit, je cours. Mais je pense pas qu'il me voit. Je suis trop bien caché dans l'ombre. Ça va être tellement ridicule à la troisième personne. Imaginez. Je suis accroupi, je ferme les yeux, il ne me voit plus. On peut pas se soigner tranquille quoi, il faut qu'il se ramène. C'est bon ? Il n'arrête pas de jambes là. Je fais bien du bruit. Oh. Je suis passé. Premier transport est passé. C'est sur la lune? Ah, c'est sur la lune, bordel. Salut toi. Ah bah. Le Brandon International, celui qu'on connaît. Ouais, j'avais reconnu. Malheureusement. Tu livreras jamais, Brandon. Qu'est-ce que t'as à me dire? Motherfuckers! Ah, il s'est coupé la gorge, non? Ouais. Putain, c'est un guerrier. Moi, juste. Lâche-le! Merci. Sorry about before, Brandon. J'aime bien son petit collier, en tout cas, son petit bracelet. Didn't let you rest in peace. Ah merde, donc du coup, je l'ai pas supprimé, donc c'était pas bien. Ouais, donc en fait j'ai fait la mauvaise décision sans le savoir. Bon, écoutez, on a vu pire, hein. Moi j'ai pas fait exprès. J'ai récupéré une carte qui me permet sûrement de sortir de la zone, non? Ça sauvegarde en plus. Putain, il y avait du montage vidéo là, non? J'arrive pas à voir, je vois des pistes, mais je sais pas si c'est les pistes de... Oui, bah ça va, j'ai compris que quand on repassait dans les pièces dans ce jeu, ça... Ça faisait des choses en fonction. Et on dit au revoir à Brandon. Monsieur Wan, que je n'ai pas pu laisser reposer en paix. Je suis pas allé dans cette pièce, il faut que je fouille. Comme c'est que vu qu'il est là... Bon. Oh!
La pire des putes, ce monstre. Moi, je suis caché dans l'obscurité. Pour qu'il me trouve, faut vraiment qu'il me tryhard. Ou qu'il vienne au bout de ce couloir, mais ça n'a aucun sens, il y a des débris. Il vient en plus. Il va pas me chercher quand même, j'espère, là. Non, il s'éloigne, là. Bon. Il tape un petit sprint. Casse-toi, ça, casse-toi. Casse-toi bien là-bas. Putain, je fais trop de bruit en marchant. Bon, en même temps, c'est le bruit normal qu'on ferait, je suppose. Now what? Oh non, mais. Allez vous faire foutre quoi. Putain, j'essaie de me souvenir. Où est-ce qu'il y avait de quoi formater la puce? Il a entendu. Ah, c'est là sûrement. Je me cache parce qu'il arrive en courant. Ça me fait un peu peur. Ouais, il est juste venu voir le bruit, mais c'est bon. C'est bon, casse-toi là. Ouais, c'est ça. Ouais. Marteau vite, et bien. Je pense qu'ici il y a de la lumière alors. Putain. Hop. Pas de. Ah, j'ai cru qu'il y a dit pas de connexion détectée, j'avais pété un cap quoi. Mets toujours la puce. Hop, voilà, message de sécurité. Oh merde, les jambes de fuite de gel structurel a permis au robot de prendre le contrôle du dumbbad. Eh oui. C'est un message qu'il y a là. Bonjour. Moins 3 créatures proxy. Oh, 3. Au projet Arc, envoyé C et l'équipe, assurer la sécurité de tout le monde, profiter de la suite de l'apocalypse. Je suis mort. Il va venir, je suis mort. Ah, chier. Ah non, il vient pas jusque là. Oh putain. Si, il va venir. Il arrive. Il est dégueulasse. Hein. Non mais viens pas quoi, casse-toi. Ah non, ça il se casse. Ok, je suis désolé de t'avoir parlé comme ça. Mais en attendant, ça, voilà, ça lui a mis du plomb dans la tête, hein. Parce que là, il se casse finalement. Il suffit de... Oh, mais... Arrête. Dis-le que c'est ton script de venir me chercher ici, quoi. Fais pas semblant, tu tournes autour pour faire genre, tu réfléchis. Oh, mais casse-toi, casse-toi, casse-toi. J'ai pas compris, j'ai rien fait de mal et d'un coup, son cœur s'est mis à battre. Et j'ai su que c'était la fin. Je vois bien qu'il y a un document à lire là-bas, mais... Le temps que je te lis, je vais pas me faire rect. On tente. Strohmeyer, you there? I hear you, Brandon. Ouais. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We've got to get to the shuttle. And end up like shaking atoms? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll be back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. C'est quoi ce bruit? Non mais ça va quoi, enfin... Je peux même pas lire un putain de message audio, il est juste à côté. Il fait des bruits horribles en plus. Du coup il me voit pas quoi. Bon, Brandon c'est un héros, on a tous compris ça, c'est le vrai message du jeu. Je sais pas quelle raison il a traîné là en vrai. À part son script, je veux dire, c'est pas, ça n'a pas de sens quoi. Il
Qu'est-ce qu'il fait là? Je l'entends déglutir, faire des trucs immondes. J'entends du FAP. J'ai soif, donc du coup, j'hésite à boire, mais si on est dans la pièce, je suis en train de boire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ce grand génie. Tout le monde, casse-toi. Ça se trouve, il lâche des trucs par terre pour que je marche dessus. Que ça fasse du bruit. Ça, je peux rentrer Comment ça se passe? J'ai l'impression qu'il m'a vu. Je vais me pencher vers là. Non, non, t'inquiète, chut. Chut. Chut, regarde, il nous voit pas, regarde. Non, mais c'est comme tout à l'heure. On accroupit dans un coin. On regarde le sol, on ferme les yeux. Allez, fermez les yeux, faites-le, sinon il va nous voir. Fermez les yeux. Merci de l'avoir fait, je vois ces petits petons qui s'éloignent, ça a marché. Vous êtes des héros. Alors, fermez vos yeux. Je suis sûr que vous l'avez pas fait, bande de traîtres. Fermez les fixations et le panneau. Ok, putain. Vite, la putain de toi! Ouh! On s'en fout, on se casse! Oui. Chut! Moi je voulais à la station de transfert je crois. Mais bon, il fallait juste que je bouge là, j'avais pas le temps. Ah, alors ça c'est espèce de boss de zone qui est vraiment étrange quoi. Hyper rassurant, on va pas se mentir. Alors là j'ai que 3 rivets.